Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain sur les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre lecture de vie générale pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous vous portez bien. Pour les personnes qui sont d'un soleil ascendant ou lune dans le signe du bélier. Ok ? Je garde à l'esprit bien évidemment que c'est une lecture qui est générale, ça ne va pas parler à tous les béliers de la terre entière. Heureusement, chacun d'entre vous ne vivait pas les mêmes choses au même moment. Si cette lecture ne vous parle pas, ce n'est pas grave et je vous conseille d'aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire. D'accord ? Et bien évidemment, pour toutes les personnes qui désirent avoir une consultation privée avec moi, je vous invite à aller dans la boîte de description. Il y a un lien vers ma page Facebook où vous aurez l'accès à un post épinglé où vous aurez toutes les modalités pour prendre consultation. Pour les personnes qui n'ont pas Facebook, je vous invite à aller m'envoyer un mail à l'adresse suivante romain.tire.les.cartes@gmail.com. L'email est dans la description si vous ressentez la nécessité. Ok ? Et je précise que les lectures de vie, les lectures privées, je ne les fais uniquement que cet été. Hein. Le reste de l'année, je n'en fais pas. Donc, il faudra attendre après l'année prochaine pour prendre consultation. Donc, voilà. Donc, pour les personnes qui ont la nécessité, hein, qui ont vraiment besoin. Voilà. On est parti pour votre lecture qui se... Je ne vais pas vous le cacher, qui va, je pense, relativement calme. Ça va être un mois comme un autre. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune arcane majeure. On a uniquement que des arcanes mineures. Donc, bon, un mois qui va être consacré, je pense, à la guérison, à prendre soin de soi ou des autres. De se reposer, et je pense que ça va être plutôt un mois tremplin, j'ai envie de dire, qui va vous permettre de vous propulser vers peut-être de nouvelles opportunités qui pourront s'ouvrir à vous. D'accord. Donc, d'un point de vue des cartes, on a 1, 2, 3 deniers. Une, deux flèches, donc deux épées, et les arcs, on a un, deux, ok, donc deux bâtons, et puis deux vases, donc deux coupes, ouais. Donc, vous voyez, on a un peu de tout, on a des deniers, on a des coupes, on a des épées, et... coupe, denier, épée, et puis j'ai oublié les bâtons. Donc c'est vraiment un mois qui est équilibré. Très bien. Votre énergie principale pour le mois de juillet 2021 est à l'impératrice avec l'archange Gabriel. L'impératrice, ici, comme je le vois et comme je l'interprète, plutôt comme je le vois et que je le ressens, il y a une nécessité de prendre soin de vous. De prendre soin peut-être même des autres. Mais il y a ici une très grande force naturelle, une très grande énergie naturelle de guérison, de bienveillance, de bonheur. Ouais, moi je le vois ici plutôt comme ça. On a deux cavaliers. Ok, bon. Ça peut être une énergie maternante. Une énergie où on est amené à prendre soin de soi. On est mené à se chouchouter. À peut-être à prendre soin de soi. Soigner son apparence. Soigner son style vestimentaire. Pour les femmes, peut-être mettre un peu plus de maquillage. Ou d'en mettre un petit peu, ou d'essayer peut-être d'attirer le regard des autres. Ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement prendre... prendre du temps pour soi. Ok ? Et vous voyez, en dos de deck, en plus, on a l'ego. Donc, je pense que au mois de juin,
Il y a eu une situation, pour certains d'entre vous, une situation étouffante, je pense, ici. Ou il y a peut-être eu une révélation pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont pris conscience d'un certain éveil par rapport à une situation dans laquelle ils se retrouvaient étouffés. On se sent emprisonné, on se sent suffoqué, on se sent emprisonné, on se sent mal, on se sent pas bien, on a l'impression d'être voilà, dans des énergies peut-être un peu pas très saines, on n'est pas confortable, on peut avoir peur, on peut ne pas être bien, on peut y avoir un sentiment d'inconfort, ok? Et l'impératrice, c'est l'inverse, c'est plutôt le sentiment de confort, on est bien, on se sent un peu comme chez soi, il y a une énergie qui est très maternante, où finalement on est... ça peut être également l'abondance, hein, l'abondance de quelque chose, l'abondance... peut-être que même que vous êtes encore en train d'être dans ces énergies peut-être de peur ou vous êtes peut-être dans des énergies un peu étouffantes, des énergies suffocantes qui vous compriment, qui vous empêchent peut-être même de respirer. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et je dirais à la fois ça peut être concret, ça peut être matériel. On peut vraiment avoir cette sensation physiquement, matériellement, mais ça peut être également dans votre tête, et ça peut être également, on va dire, dans votre esprit, ou ça peut être moralement, hein, ça peut être vraiment dans votre tête également. D'accord ? Vos énergies principales pour le mois de juillet 2021 sont à l'as de pierre et sont à la 2 de pierre. Ici, on a des nouveaux départs. On a un nouveau départ qu'on veut décider de prendre par rapport à nos valeurs. À nos valeurs, à nos bases. Il y a une notion de base, de... On nous parle de quelque chose, d'une base, quelque chose qui est concret, quelque chose qui est vraiment matériel, sur laquelle vous pourriez commencer à faire quelque chose. Ça peut être ça. Donc ça peut être, une proposition. Ça peut être une proposition de travail pour les personnes. Ok, ça peut être une proposition de travail ou ça peut être un nouveau départ que vous décidez de prendre par rapport, encore une fois, par rapport à vos valeurs, ou ça peut être une seconde chance que vous vous accordez. Ça peut être une seconde chance que l'on s'accorde parce que ici dans la vie sentimentale, on a quand même la 7 de pierre qui mène quand même à la guérison. D'accord, bon. Donc voilà, donc ici on prend un nouveau départ. Je pense que c'est par rapport à, comme je vous l'ai dit, par rapport à ce sentiment d'étouffement, par rapport à cette situation étouffante, suffocante, ok ? Cependant, ce nouveau défi peut mener chez vous un certain défi. Soit peut-être parce qu'il y a... Ça peut être des défis, ça peut être des querelles avec éventuellement des personnes qui pourraient y être impliquées. Même si je pense pas qu'il y ait vraiment de conflit. Moi, je pense très certainement que c'est un conflit qui est vraiment interne, hein. Je pense que c'est vraiment un conflit qui est à l'intérieur de vous. Il y a un processus de guérison qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez ? En dos de l'aide, on a la tradition. Donc, et moi, quand je vois la tradition, ça me fait penser à toutes les croyances que vous pouvez avoir, toute la foi que vous pouvez placer en quelque chose ou en une situation. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez du mal à prendre ce nouveau départ. Peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à cicatriser. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut avoir un rapport avec votre vie, passé, un passé. Ça peut être un rapport avec votre vie professionnelle ou financière, ou ça peut être également par rapport à votre vie sentimentale, d'accord ? Ça peut être ça. Donc, soit, plusieurs façons de le voir. Soit vous avez du mal à
vous lancer dans quelque chose, de prendre un nouveau départ. Soit vous décidez de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de tout nouveau pour vous, de vous en donner les moyens, de vous donner peut-être une seconde chance à vous-même, mais peut-être qu'il va y avoir un certain conflit interne, peut-être parce qu'il y a une confrontation de croyances ou des confrontations entre certains rêves que vous avez ou... Je ne sais pas si je me fais comprendre, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si finalement ce nouveau départ que vous prenez, comment dire, ça va engendrer des conséquences. Et qu'il va falloir que vous les assumez, les conséquences de vos actes. Parce qu'on est quand même dans les deniers, on est dans le concret. Hein. Bon, certains d'entre vous, ça peut être très certainement lié à votre vie professionnelle ou financière. Hein. On a ici la maison 2 en astrologie. Et là, on a la carte quand même des responsabilités. Donc, on va y venir petit à petit. Dans ce que vous voulez le plus, bah, vous voyez, ce que vous voulez le plus, c'est le changement. C'est la transition, c'est l'abandonner, l'abandon, pardon. C'est abandonner quelque chose. Abandonner quelque chose, ça peut être un sentiment, ça peut être un état d'esprit, ça peut être un état d'être, une façon de penser que vous délaissez derrière vous et que vous décidez de partir vers une nouvelle rive qui est plus claire. D'accord ? Cette carte de transition nous montre que vous décidez d'abandonner quelque chose. Moi, je pense que c'est cette situation suffocante. Cette situation étouffante. Je regarde les autres cartes, si je peux avoir un éventuel... Non, je n'ai pas plus d'informations que cela. Bon, disons que, bon, pour vous, je vais faire une petite entorse, je vais en mettre une par rapport à cette transition. Il y en a trop. Qu'est-ce qui va avec cette transition ? Avec cette transition... Transition, qu'est-ce qu'on a? On a un valet d'arc. On a un valet de bâton. Ouais, moi je pense que c'est par rapport à une situation que vous avez commencé. Le valet de bâton nous montre je pense qu'ici on a des personnes qui commencent des choses mais qui ne les terminent pas forcément. Ici peut-être que vous avez commencé quelque chose avant, auparavant, et que vous avez décidé peut-être de partir vers autre chose. Ça peut être ça. Autre façon de l'interpréter, il se peut tout simplement que vous faites une transition, un voyage, un déplacement. Je parle bien évidemment symboliquement, quelque chose plutôt de symbolique, donc plutôt dans votre tête. Je pense que c'est plutôt ici une façon de penser ou une façon... Moi, je pense que c'est une façon de penser que vous délaissez derrière vous. D'accord ? Et moi, je pense que vous délaissez derrière vous peut-être un état d'esprit où vous étiez peut-être un peu trop... Je ressens beaucoup ici de personnes qui s'assagissent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très étonnant parce que vous êtes quand même un signe de feu, vous êtes bélier, donc vous êtes quand même des personnes qui aimaient les goûts du risque, mais c'est comme si ici, dans ce mois-là, vous décidez de, au contraire, de jouer plutôt la carte de la prudence au lieu de prendre des risques ou de foncer tête baissée comme vous avez peut-être un peu l'habitude de faire. Je dis peut-être. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ici, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui dit « je veux faire ci, je veux faire ça ». C'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, quelqu'un d'extrêmement courageux, quelqu'un qui est vraiment plein de volonté et qui est vraiment plein de dynamisme. Et là, vous délaissez cet aspect dynamique. Il y a comme ce bélier qui se transforme en petit agneau. Alors, je ne dis pas que vous êtes fragile, je sais que vous avez quand même
un certain, voilà, une certaine part d'ego. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous essayez de jouer la carte de la prudence, parce que vous essayez peut-être de voir les choses différemment et de prendre soin de vous et des autres. Donc vous êtes vraiment dans d'autres types d'énergie qui est peut-être étrangère à la vôtre, d'accord? Et ça, peut-être que ça peut représenter un certain défi pour vous, de rentrer dans peut-être des énergies maternantes ou dans des énergies où on prend soin des autres, dans l'altruisme, dans la solidarité. Ça peut représenter une confrontation, ça peut représenter un défi entre, je ne sais pas, votre ego et entre ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez devenir ou ce que vous essayez d'entreprendre ici dans ce mois. J'espère que je me fais très clair. D'accord ? Ce qui va vous y aider, bah, c'est la consécration, c'est-à-dire de ne pas lâcher prise, de ne pas céder à vos cauchemars, de ne pas céder à vos démons et de continuer... de vous y impliquer. Voyez, la consécration nous montre également qu'il y a peut-être ici et là, il y a peut-être une peur de l'ennui. Peut-être que vous avez peur de vous ennuyer, mais ici la consécration vous dit que vous avez besoin d'y mettre toute votre énergie, toute votre force et toute votre volonté dans ce nouveau départ que vous essayez de prendre, et qu'il va falloir éviter de faire comme ces flèches, de partir dans tous les sens. Donc il va faire très attention à ne pas se disperser, à ne pas, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas vous laisser... de ne pas vous laisser distraire. Dès que vous avez un nouveau, vous êtes pris dans un nouveau départ, dans des énergies complètement nouvelles, il y a un certain besoin de s'y investir totalement d'éviter peut-être de commencer encore quelque chose de nouveau. Peut-être que, oui, j'en doute pas que vous êtes peut-être des personnes qui sont extrêmement ambitieuses, extrêmement courageuse et pleine de volonté, ça je n'en doute pas, mais faites attention peut-être d'éviter de commencer trop de choses en même temps, parce qu'ici il pourrait y avoir des dispersions d'esprit, penser à autre chose, ne pas y être complètement investi dans la tâche que vous êtes en train de faire, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas y mettre toute votre volonté, ou... voilà, de commencer quelque chose et puis voilà, comme ça, du jour au lendemain, on abandonne. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'énergie que je peux ressentir ici, d'accord? Et en plus, vous voyez, on a une lune en bélier, c'est extrêmement impulsif. Et on peut, voilà, la lune en bélier, elle peut avoir tendance, voilà, comme ça, du jour au lendemain, commencer à quelque chose, et puis après, ça ne va plus du tout lui plaire, ça ne va plus du tout lui satisfaire, ça ne va plus lui procurer autant de plaisir qu'elle en avait, donc elle va finir par abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc de ne pas lâcher, vous y êtes presque, visiblement. Ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, cette transition, ça va être le cavalier d'arc. C'est-à-dire ce manque d'énergie, ce manque peut-être de force. C'est étonnant parce que dans ce tirage, je ne vous reconnais plus, les béliers. C'est étonnant. Je vous sens transformé. Je vous sens... vous me direz dans les commentaires comment est-ce que vous vous sentez, vous. Comment est-ce que vous voyez les choses de votre point de vue. Mais c'est étonnant. Parce que vous voyez, le cavalier d'arc, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement rusé, quelqu'un qui est extrêmement vif, qui a énormément de volonté, qui a énormément de courage. C'est quelqu'un qui est plein d'audace, qui prend des risques. Et là, on est complètement à l'inverse, on est complètement à l'opposé, où on est complètement dans la guérison, on est complètement dans l'empathie, on est complètement dans la sécurité, on se sécurise, on sécurise les autres, on est dans des énergies très maternantes, on est dans des énergies qui sont très empathiques, on est dans des énergies qui sont extrêmement aquatiques, on est beaucoup dans les émotions, dans les sens, dans...
la guérison, dans le repos, dans les sens, dans les sensations, dans l'ancrage, dans... Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est absolument pas... Je peux me tromper, mais c'est visiblement... Ça peut être en raccord avec certaines traditions. Certaines traditions ou certaines croyances. Ouais, il y a des personnes qui ont décidé de prendre un choix et de prendre un nouveau départ, un souffle de vie. Voilà, c'est ça le mot. Un souffle de vie, qui ont décidé de voir les choses d'une manière beaucoup plus claire, de leurs sentiments et d'un point de vue de la générosité. Et on a l'extase également et l'épanouissement. Waouh! On est dans des énergies qui sont extrêmement... Ouais, on est vraiment dans des énergies aquatiques. Vous me direz bien évidemment dans votre dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est surprenant, ce tirage est surprenant. Dans la vie sentimentale, vous êtes à la guérison. On est dans la guérison, on se repose, on fait le bilan. On fait le bilan... On fait l'inventaire de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Ça peut être la guérison d'une relation, la guérison peut-être de chamaillerie, de conflits ou de querelles que vous avez pu avoir. Quand je parle de vie sentimentale, ça peut être amoureux, amical, ça peut être familial ou ça peut être les liens affectifs que vous entreprenez dans votre vie sociale, d'accord ? C'est pas forcément que la vie amoureuse. Donc ça peut être ça. Donc la guérison nous montre qu'on se ressource. C'est comme si finalement, en fait, le mois passé, je ne me rappelle plus de votre tirage du mois passé, mais c'est comme si en fait, vous revenez d'une guerre. Vous revenez d'une guerre qui a été extrêmement épuisante, extrêmement éprouvante pour vous et qui vous pousse dans ces énergies d'ancrage, de guérison et donc peut-être d'empathie et d'abondance et dans ces énergies très émotives. Enfin, pardon, dans les énergies, des émotions. D'accord ? Dans votre vie professionnelle et financière, nous avons les responsabilités. Peut-être que certaines querelles, certains défis, ou du moins que cette situation de guérison a peut-être un rapport avec votre vie professionnelle ou financière. Peut-être que vous avez fait certains actes, peut-être que vous avez dit certaines paroles plus ou moins blessantes, ou certains actes plus ou moins audacieux, qui nous dit que maintenant vous devez en payer les conséquences. Maintenant vous devez assumer les conséquences. Vous devez assumer les responsabilités. Vous devez assumer... les conséquences de vos actes. D'accord ? On doit prendre conscience de quelque chose. On nous tient à... Peut-être que cette phase de guérison vous pousse à vous responsabiliser, vous pousse au questionnement, et donc peut-être vous pousse à l'auto-responsabilité, pas vous punir, mais comme si vous devez apprendre quelque chose de cette vous devez apprendre quelque chose dans cette phase de guérison. C'est très ouais. D'accord ? Donc voilà, donc les responsabilités, je ne sais pas. Après, quand on voit un as de pierre et un 2 de pierre, il se peut peut-être qu'il y a des personnes qui ont un nouveau travail. Et que du coup, ben maintenant, vous avez peut-être vous avez des responsabilités que vous devez gérer. Peut-être que vous avez des équipes à gérer, que vous avez des personnes sous vous que vous devez diriger, que vous devez, vous avez maintenant des responsabilités, que vous avez des engagements, vous avez des promesses que vous devez tenir. Ça peut être ça, également. Et dans la vie professionnelle, il se peut que on peut s'engager dans l'achat d'un bien immobilier ou dans la vente d'un bien immobilier et que, bon, maintenant qu'on s'est emmené dans l'achat de quelque chose ou dans l'investissement de quelque chose, bon, maintenant, il faut y aller. Maintenant qu'on y est lancé, bon, bah faut y lancer et faut y aller avec les deux jambes, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans votre tête, vous êtes quand même marqué. Dans votre tête, vous êtes marqué et vous vous sentez seul.
Vous, dans votre tête, vous êtes dans le besoin, mais vous ne le montrez peut-être pas forcément. Et peut-être que ces énergies qui sont là autour vont vous aider à exprimer ce que vous ressentez dans votre tête. C'est peut-être pour ça que j'étais en train de vous dire que toutes ces énergies qui sont étrangères peut-être pour vous, bah dans votre tête, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, on ne se sent pas à la hauteur, on se sent mal compris, on se sent incompris, on peut se sentir seul, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir être dans le besoin, on peut être dans le besoin d'affection, tout simplement dans le besoin d'affection, dans le manque d'affection, dans la manque d'attention, d'accord? Ça, c'est dans votre tête. Et ça peut être également au mois de juillet, vous pouvez penser à une situation dans laquelle vous étiez dans le besoin dans votre passé. Peut-être que toute cette situation vous fait penser à un passage bien en particulier de votre passé et peut-être même pour certains d'entre vous, une période où vous étiez jeune. Une jeunesse. Ça peut être une jeunesse pas forcément très heureuse. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. D'accord ? À la fin du mois de juillet, nous avons deux énergies d'eau. On a la 4 de vase et on a le cavalier de vase. Première énergie que je vois ici, c'est la 4 de vase. La 4 de vase est la carte de l'ennui, la carte de la lassitude. Quand on est finalement lassé, que l'on a le sentiment un peu on peut avoir ce sentiment d'insatisfaction, on peut avoir ce sentiment d'être délaissé, d'être laissé un peu à l'abandon avec cette énergie de l'endurance. Ok ? Mais la 4 de vase peut montrer également un repli sur soi-même. On a tendance à se replier sur soi-même, on se replie de la vie sociale. C'est bien évidemment symbolique, hein. Je ne dis pas forcément que vous devez vous vous enfermer à double tour chez vous et rester en boule sous la couette, non. Mais ça peut montrer une certaine lassitude, où on peut commencer à se lasser de quelque chose, on peut avoir la peur de se lasser de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une situation. D'accord ? Le cavalier de vase nous montre une énergie qui est très... C'est une énergie qui est très romantique, qui est très fragile, qui est très sensible, qui est très à fleur de peau. On est très... voilà, c'est de la sensibilité, c'est du romantisme, c'est du... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être ça. Donc peut-être qu'il y a des... Peut-être que certains d'entre vous... Alors le cavalier de vase, il se peut peut-être que vous essayez d'exprimer une certaine ennui ou une certaine lassitude à quelqu'un. Ça peut être peut-être dans votre vie sentimentale, ou dans votre vie professionnelle, ou dans votre vie affective. Peut-être que vous essayez d'exprimer une forme de lassitude, ou que vous ne vous plaisez plus, ou qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou il se peut tout simplement ça peut être ça. Peut-être qu'il y a un profond mal-être chez vous. Peut-être que vous vous sentez mal, mais peut-être que vous le gardez pour vous, que vous ne le montrez pas forcément. Et il y a peut-être un certain besoin de se libérer. Et l'impératrice, c'est une énergie de libération. D'accord ? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais un bisou et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous !